Bonjour à Team Fit, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau training bras. Aujourd'hui, on va focaliser le training sur les triceps et les pectoraux avec un petit circuit court. Si ce n'est pas encore déjà fait, n'hésite pas à t'abonner ci-dessous afin de soutenir la chaîne et d'être informé à chaque sortie de vidéo. Je sors environ 3 vidéos par semaine qui traitent de tous les groupes musculaires, que ce soit les bras, les jambes, les abdos ou le cardio. Donc tu pourras y retrouver ton compte si tu souhaites faire du sport à la maison et être accompagné pendant ta séance. Moi je te souhaite un bon petit training. Allez, c'est parti! La team, pour cette séance, vous allez voir, on est pas mal focus sur les pectoraux et les triceps et donc on va utiliser pas mal d'exercices de pompe. Donc c'est pour ça, pour éviter d'avoir à me répéter dans la vidéo, si les pompes jambes tendues sont trop dures, n'hésitez vraiment pas à les faire sur les genoux. Premier exercice, on va commencer par des pompes avec le buste surélevé. D'accord ? Donc vous prenez une chaise ou deux chaises comme vous voulez. Et le but du jeu, placez ses bras largeur des épaules, fléchir les jambes, enfin légèrement, et on descend tout en genoux. Allez, c'est parti. J'essaie de garder mes coudes le long de mes côtes. Et je souffle. Prochain exercice, maintenant je vais surélever mes jambes. Donc, je pose mes pieds sur un support, et là, je descends, et je remonte. D'accord ? Allez, c'est parti. Je souffle. Prochain exercice, toujours avec une chaise ou votre canapé, on part sur des dips. Soit vous gardez les jambes tendues, soit vous pliez les jambes, soit vous êtes sur des barres parallèles, et on fléchit bien les mains. On récupère. On vient se placer sur votre tapis au sol. On va partir sur des pompes largeur, enfin les pompes écart. Donc on prend la prise légèrement plus large que les épaules. Et on descend 10 mètres. Je récupère, prochain exo, on part sur des pompes normales. Donc je vais prendre largeur des épaules, je vais mettre mes mains au niveau de la poitrine et je repousse le plus proche de ma poitrine. Allez. Si c'est trop dur, je passe sur les genoux. Je souffle. Prochain exercice, toujours au sol, pompe diamant. Donc cette fois, je vais joindre mes mains comme celle-ci et je vais essayer de poser mon buste sur mes mains. Donc pareil, je peux me mettre sur les genoux. Et là, je descends, je contrôle et ça bosse bien, vous allez voir. Ok. Je récupère, je me place sur le côté, allongé avec une jambe tendue, une jambe pliée. Et je vais placer une main sur mon épaule, l'autre au sol. Et la main qui est au sol pousse et je vais travailler du coup mon triceps avec celle-ci. Et l'exercice d'après, je ferai la même chose. J'essaie d'être gainé et de ne pas trop aider avec mon autre bras. Je change de côté. Allez, on est parti. Allez, on tient. Normalement, ça brûle bien dans les triceps. Ok, je me redresse.
Je vais me mettre contre un mur et je vais partir sur des extensions de triceps. Donc je place mes mains, je suis jambes fléchies et je vais poser mes coudes et repousser. Ok, on souffle, dernier exercice. Je vais faire des pompes buste surélevé avec mes mains orientées comme ceci sur le tapis, en supination. D'accord ? Et je contrôle bien la descente. Et ça arrive. Alors, qu'as-tu pensé de ce petit circuit bras? Honnêtement, je pense qu'on fait bien la focale sur tout ce que je t'ai dit, notamment le triceps qui prend très très cher lors de l'exécution. Donc, je pense que c'est vraiment efficace si tu veux faire une séance à la maison qui soit courte, si tu répètes ce circuit à plusieurs reprises. Et efficace. En tout cas, si cette séance t'a plu ou si elle ne t'a pas plu, n'hésite pas à utiliser l'espace ci-dessous des commentaires pour me faire part de tes avis, de tes ressentis et tout ça, ça m'intéresse vraiment. Si ce n'est pas encore déjà fait, n'hésite pas à t'abonner pour être informé à chaque sortie de vidéo et accéder à une multitude de connaissances. Et sinon, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like. Moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo avec toujours pour même objectif. Devenir fit. Allez, à la prochaine !